Horoscope chinois du jour. Vendredi 8 novembre. Horoscope rat. Amour. Célibataire, vous allez bénéficier d'un extraordinaire influx de chance en amour. La planète Vucuc vous aidera à être en grande forme, gai, optimiste, magnanime. Bref, il émanera de vous une énergie si positive et votre sourire sera si charmant que vous entraînerez sans peine tous les cœurs dans votre sillage. L'astre Kuang Fu en aspect disharmonique risque de vous jouer de mauvais tours concernant votre vie de couple. Des disputes sont donc possibles, sans doute liées à des problèmes anciens. Dans quelques rares cas, une rupture semble même se profiler. Argent. Cette position de l'astre tient Lion annonce du mouvement dans vos finances. Vous pouvez espérer quelques petites rentrées d'argent. Mais sachez aussi que cette planète pourra vous inciter à la dépense, ce qui est déjà votre point faible. Il va donc vous falloir habilement gérer votre budget si vous ne voulez pas vous faire appeler à l'ordre par votre banquier. Rassurez-vous, cela ne signifie pas pour autant que vous allez vivre une période d'austérité. Il s'agira seulement de parvenir à équilibrer vos comptes. Santé. Votre nervosité sera en baisse. En revanche, vous pourriez manquer un peu de tonus. Alors, veillez à bien équilibrer votre alimentation afin d'avoir un apport suffisant de protéines, sels minéraux et vitamines. Méfiez-vous surtout de régimes draconiens ou barbares, que vous recommanderont vos amis, bien intentionnés mais plutôt ignares. Travail. Vous gagnerez à fuir ce jour les associations d'affaires comme la peste. Le moment sera malvenu d'engager des capitaux pour une raison ou pour une autre dans une entreprise quelconque. Vous risquez soit de tomber sur un partenaire douteux, soit sur quelqu'un qui ne pourra que vous apporter la malchance. Famille. Vos relations avec les autres risquent de devenir difficiles dans la mesure où vous n'en ferez qu'à votre tête et défendrez vos opinions avec une obstination d'adolescent en crise. Vous n'aurez pas les idées particulièrement claires, ce qui ne vous empêchera pourtant pas de vouloir à tout prix les appliquer. Horoscope buffle. Amour. L'astre Fiongkak pourra une fois de plus vous donner envie de vous affirmer au sein de votre couple. Si votre partenaire est autoritaire, cela pourra poser quelques problèmes. Mais vous arriverez en tout cas à un très bon modus vivendi. Célibataire, cette journée favorisera la rencontre déterminante de votre existence, ou en tout cas pourra vous apporter une révélation sensuelle ignorée jusqu'alors. Vous connaîtrez une intensification extrême de tous vos désirs, et votre quête amoureuse vous entraînera vers les plus hautes cimes du bonheur physique. Argent. Avec cet aspect de l'astre Fongkao, il faudra se préparer à des retournements soudains de situation au moment même où vous devrez faire face à une échéance financière. N'attendez donc pas le dernier moment pour vous organiser. Et surtout, ménagez-vous une large marge de manœuvre en prévoyant le pire, par exemple les défaillances possibles de vos débiteurs ou un retard du courrier à cause d'une grève de la poste. Santé. Les astres Wallock et Ongloan vous pousseront aux excès. Pas facile alors de vous discipliner. C'est pourtant ce qu'il faudrait faire pour ne pas gaspiller votre belle énergie, manger équilibré, ne pas vous coucher trop tard, et bannir les excitants. Un effort, oui, mais qui sera très vite payant. Aussi, allez de l'avant sans chercher à brûler les étapes ni voir trop grand dans vos différents projets. Travail. Oubliant votre prudence habituelle, vous prendrez de gros risques dans le domaine professionnel afin de forcer votre chance. Grâce à l'appui de l'astre Datsa bien aspecté, cette attitude audacieuse sera payante. Famille. Vous vivrez cette journée dans une ambiance plus détendue et aurez le sentiment de mieux profiter de votre liberté. Si vous avez l'occasion de faire un voyage ou un petit déplacement, n'hésitez pas, ce sera réussi et vous changerez valablement les idées. Horoscope Tigre. Amour. Ne soyez pas aussi méfiant envers votre conjoint ou partenaire. Si vous le soupçonnez à tout bout de champ, il finira par se vexer fort. L'amour ne peut s'épanouir que dans un climat de confiance mutuelle. Célibataire, les idylles à votre lieu de travail auront un petit côté secret qui vous excitera beaucoup. Seulement, si votre aventure est découverte, c'est ce qui risque d'arriver aujourd'hui, vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Il est toujours prudent et judicieux de ne pas mêler amour et travail. Argent. La gestion de vos finances ne supportera pas d'à peu près. Il faudra, au contraire, faire preuve d'une rigueur extrême, sinon vous courez très rapidement à la catastrophe. Soyez plus fourmi que cigale.
santé. L'astre tiintru vous indiquera qu'il vous faut maintenant compenser votre trop-plein d'énergie et votre gourmandise à la fois. Vous devriez faire de la course à pied. Cela serait excellent pour votre organisme et vous permettrait de vous débarrasser des toxines qui s'emmagasinent. Travail. Attention aux projets très coûteux dans le domaine professionnel. Faites une bonne étude du marché avant de vous lancer, sinon vous risquez d'avoir beaucoup plus de frais que de bénéfices. Famille. Cette configuration astrale étant liée aux études, à la philosophie et à la religion, vous pourrez passer aujourd'hui par une phase de curiosité intellectuelle. Nombre d'entre vous se réfugieront donc avec profit dans les livres et dans la réflexion. Horoscope chat. Amour. Votre vie conjugale vous apportera beaucoup de joie si vous entraînez votre conjoint ou partenaire dans votre sillage, au lieu d'afficher une indépendance déplacée qui le froisserait. Vous vous préparez ainsi des journées des plus agréables. Célibataire, vous allez voir votre vie amoureuse prendre un tour nouveau. Depuis quelque temps, en effet, l'astro a qui assombrissait vos amours. Cette fois, c'est fini. Mieux, c'est précisément aujourd'hui que, grâce à la planète Ukuk, vous allez avoir droit à l'une des meilleures journées de l'année côté cœur. Argent. Vous aurez la possibilité d'améliorer votre situation matérielle, à condition de garder les yeux et les oreilles grands ouverts, il y aura des occasions de placement très intéressantes à saisir au vol aujourd'hui. Santé. Remuez-vous un peu. Voilà le conseil que vous dispensera l'astre Lontri en ce moment. Vous ne serez jamais en pleine possession de vos moyens si vous ne vous accordez pas régulièrement des promenades, des exercices de relaxation ou des mouvements de gymnastique. Travail. Vu les influx désordonnés de l'astre Lemtrine, vous pourrez voir certaines de vos ambitions professionnelles contrariées par des circonstances indépendantes de votre volonté, circonstances qu'on nomme généralement mais abusivement le destin. Des déplacements prévus de longue date se trouveront retardés. Des entraves rébarbatives vous empêcheront de réaliser des projets que vous aimeriez voir se concrétiser plus rapidement. Prenez patience. Famille. L'occasion vous sera donnée de faire d'intéressantes rencontres. Recherchez d'abord les points que vous auriez en commun dans le domaine culturel, avant d'aborder les questions d'ordre matériel ou sentimental. Horoscope Dragon. Amour. Vous ne serez pas très cohérent vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire. D'un côté, l'astro Aki vous poussera à le contredire, voire à le provoquer. Et de l'autre, l'astre Van Kuk vous invitera à vous ranger à son avis, sans faire la moindre vague. Pas étonnant qu'il ait du mal à suivre. Vous êtes célibataire depuis longtemps, et vous désespérez de connaître le grand amour? Eh bien, le ciel devrait récompenser votre patience. La planète de Vuong vous promet une rencontre sensationnelle. Argent. Une très bonne journée pour plonger le nez dans vos comptes. Vous consoliderez votre situation matérielle grâce à une complète réorganisation. Favorisez les placements à long terme et réduisez vos dépenses. Santé. L'astre Lontri vous incitera à entretenir votre corps. Si vous n'êtes pas un familier des terrains de sport, vous devriez penser dès aujourd'hui à faire un minimum d'exercice physique tous les jours. La marche et la gymnastique douce vous feront le plus grand bien. Travail. Chance et bonne fortune pour vos activités professionnelles. Profitez-en pour aller de l'avant et élargir le champ de vos activités. Vous maîtriserez mieux vos moyens. Votre image personnelle sera excellente. Famille. Ne prêtez pas de l'argent à vos amis sans avoir y réfléchi à deux et même à plusieurs fois. Vous risquez de ne plus revoir votre argent ou vos amis, ou plus probablement les deux. Qui prête aux amis par le double. Horoscope Serpent. Amour. Vos amours seront-elles aussi flamboyantes que dernièrement? Pour tous ceux qui ont trouvé l'âme sœur, l'heure sera à la construction d'un bonheur calme et équilibré, avec, si vous êtes un jeune natif du signe, de bonnes perspectives de fonder une famille. Pour les natifs solitaires, en revanche, inutile d'espérer séduire tous azimuts. Mettez-vous dans la tête qu'un comportement trop léger se retournerait contre vous. L'amour n'est pas un jeu, l'amour n'est pas à prendre à la légère. Argent. Dans le domaine financier, votre habileté à gérer votre budget, alliée à un petit coup de pouce de la chance, vous permettra de faire fructifier vos ressources et d'améliorer votre pouvoir d'achat. Santé. Vous aurez de multiples activités et obligations, c'est certain. Mais ne négligez pas pour autant votre forme physique.
La pratique d'un sport vous aiderait non seulement à tonifier votre corps, mais aussi à évacuer tout votre stress. Travail. Aujourd'hui, vous pourrez vous distinguer dans votre profession. Si vous exercez un métier relatif à la communication, vous ferez certainement un malheur sous l'impulsion de l'astre d'Atsa. Votre notoriété et votre prestige grimperont en flèche. Famille. Vous aurez la possibilité de vous affranchir de certaines contraintes domestiques et matérielles. Profitez-en pour vous adonner librement à une activité qui vous offrira l'occasion de vous exprimer pleinement. Horoscope cheval. Amour. Le présent aspect de l'astre Tiafuk vous inspirera de beaux rêves amoureux. Et comme l'ambiance planétaire vous permettra de réaliser vos désirs, il y a fort à parier que vos nucalines seront divines. Les esselés auront toutes les chances de rencontrer l'âme sœur. Les couples nourriront un dialogue fécond. Et les amoureux en général découvriront dans leur passion commune, leur jeu de l'esprit ou du corps, mille nouvelles raisons de s'aimer. C'est tout juste si les féministes du signe se plaignent encore d'avoir un Jules trop macho. Argent. Avec cette configuration astrale, le pronostic est fort bon en ce qui concerne les placements et les obligations. Les natifs seront bien inspirés dans leurs transactions. L'on pourrait même ajouter qu'ils bénéficieront d'une chance au jeu bien plus grande qu'à l'habitude. N'oubliez pas de consulter votre nombre de chances. Santé. Avec l'astre tien qui en cet aspect, vous serez branché sur haute tension. Présent sur tous les fronts à la fois, premier lever, dernier coucher, vous épuiserez votre entourage. Seul bémol à ce rythme frénétique, une nervosité accrue, qui peut être source de petits accidents. À surveiller, une inflammation au niveau dentaire ou articulaire. Travail. Journée extrêmement favorable à la curiosité d'esprit et à l'esprit d'invention. Ceux qui poursuivent des études ou souhaitent en reprendre seront favorisés. Si vous entreprenez l'apprentissage d'une discipline quelconque, vous serez très motivé, ce qui vous permettra de franchir allègrement les premiers obstacles, qui sont toujours les plus difficiles et les plus aptes à décourager. Pourquoi ne pas apprendre l'astrologie ? Famille. Attention aux principes un peu trop stricts. Ils vous conduiront à porter des jugements parfois sévères et injustes sur des personnes qui pourtant méritent l'indulgence. Essayez d'élargir vos horizons et de cultiver la tolérance. Il faut, quand on agit, se conformer aux règles, et quand on juge, avoir égard aux exceptions. Horoscope Book. Amour. Méfiez-vous de l'astre Tiafuk mal aspecté, l'action de cette planète pourrait avoir un effet néfaste sur l'entente conjugale. En cas de menace de conflit avec votre conjoint ou partenaire, faites tout votre possible pour éviter l'affrontement. Célibataire, l'amour tiendra la première place dans votre vie. Mais vous vivrez des remises en question pénibles, des bilans parfois négatifs. Vous serez obligé d'affronter les problèmes avec rigueur et lucidité. Argent. Attendez-vous à recevoir un cadeau du ciel, une somme d'argent provenant soit de l'issue d'un procès, soit d'une assurance, soit d'une indemnité ou encore d'un héritage. Santé. Le domaine de la santé pourrait être perturbé aujourd'hui. Surtout, n'en tirez pas une conclusion catastrophique, aucune maladie grave ne vous menacera, mais plutôt des petits moments de fatigue et de manque de vitalité, des problèmes digestifs sans gravité, ou peut-être une certaine tension nerveuse qui pourra vous valoir des insomnies. Travail. Investissez-vous dans le travail, même si les tâches qui vous sont confiées vous semblent bien au-dessous de vos capacités. Votre assiduité sera largement récompensée par l'offre d'un travail ou d'un poste plus créatif, donc plus agréable. Mais en attendant, à chaque jour suffit sa peine. Famille. Essayez sérieusement de mettre un frein à votre perpétuelle agitation. Recherchez le calme et la pondération, conditions indispensables à toute réussite. Pensez à retenir vos paroles vives, agressives, désagréables, qui ne ferait que vous aliéner vos amis et connaissances et par là compromettre vos chances. Horoscope singe. Amour. L'astre lontrie vous dira que rien ne serait plus néfaste à la vie de votre couple que de vous renfermer sur vous-même. Cherchez par tous les moyens à maintenir un dialogue entre vous et votre conjoint ou partenaire. Parlez à bâton rompu avec lui. Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur, mais sans agressivité. Célibataire, si vous avez fait une rencontre récemment, la planète tient qui pourrait accélérer les choses. Certains d'entre vous auront droit à une jolie déclaration qui leur mettra le cœur à l'envers.
Argent. Le secteur argent sera dans l'ensemble protégé. Vos rentrées financières devraient s'accroître et vous permettre de réaliser de bons placements. N'hésitez pas à demander un rendez-vous à votre banquier. Santé. Pour réaliser vos vœux et vos désirs, vous aurez besoin, ce jour plus que jamais, de toutes vos ressources vitales et énergétiques. Heureusement, les bons influx de l'astre Ongloan renforceront votre tonus et vous permettront d'être à la hauteur de vos tâches. Travail. Vous viserez haut et loin. Votre avenir professionnel se présentera fort bien. En revanche, côté travail quotidien, une vraie galère. N'essayez pas, pour autant, de refiler à des collègues les corvées qui vous ennuient, on vous jugera aussi sur des tâches de routine. Sachez que la plupart des hommes, pour arriver à leur fin, sont plus capables d'un grand effort que d'une longue persévérance. Famille. Votre situation sociale sera au centre de vos préoccupations. Sachez que vous pourrez progresser énormément grâce à une audace réfléchie et une ambition mesurée que vous insufflera l'astre Tiong Kwan. Ce que vous réaliserez aujourd'hui pourra être déterminant pour votre avenir. Horoscope Coq. Amour. Climat conjugal nettement agréable, bien que vous nourrissiez quelques doutes. Faites sérieusement votre examen de conscience, vous trouverez peut-être une ou deux choses à vous reprocher. Célibataire, tâchez de modérer vos passions amoureuses, car elles seront très intenses et risquent de vous pousser aux erreurs ou d'entraîner des désillusions. Ici comme ailleurs, la pondération et la patience seront vos meilleurs atouts. Laissez plutôt les bonnes choses venir à vous. Argent. L'astre Taifu vous conseillera d'être d'une extrême prudence dans vos dépenses. Il vous mettra surtout en garde contre un crédit de longue durée. Il vous fera comprendre que les dettes sont faciles à contracter et les dépenses plus faciles encore à effectuer, mais que les remboursements sont extrêmement pénibles et démoralisants. Évitez à tout prix l'endettement, et méfiez-vous du surendettement comme de la peste. Santé. Avec l'astre Feng Cao en cet aspect, vous n'aurez en principe rien de grave à redouter sur le plan santé. Mais attention, votre résistance physique, d'habitude très grande, sera assez moyenne cette fois. Ne tirez donc pas trop sur vos réserves. Ménagez-vous. Travail. Des inimitiés pourraient se déclarer avec des collègues de travail. Pour éviter cela, il conviendra de réagir avec sang-froid et de ne pas faire de sentiments. N'oubliez jamais le facteur temps, ne négligez pas les choses de moindre importance si vous voulez être bien compris et garder une bonne réputation dans votre milieu professionnel. Famille. Un changement de look pourra rehausser votre prestige et vous redonner confiance en vous. Ne lésinez pas sur les moyens. Les avantages que vous retirerez de cette opération seront fantastiques. Horoscope Chien. Amour. L'astre Datsa au mieux de sa forme devrait largement profiter à votre couple. Chaleureux et prévenant, vous serez aux petits soins pour votre conjoint ou partenaire, créant autour de lui un climat de tendresse et de complicité. L'autre va adorer. Célibataire, l'amour, vous le savez, a toujours raison de tout. Et en ce moment plus que jamais. Alors, si quelqu'un vous plaît, laissez les élans de votre cœur s'exprimer, c'est la meilleure tactique pour que l'autre vous tombe dans les bras. Argent. Pour ceux qui désirent investir dans la pierre, la journée sera propice. Bon placement également dans la restauration, la coiffure, et tout commerce en relation avec la diététique, les produits naturels. Les astrologues voyants, eux aussi, seront favorisés. Santé. Le souci de protéger votre santé doit vous inciter à ne pas forcer votre résistance, à ne pas trop tirer sur la corde, mais plutôt à vous laisser porter par le courant. Veillez bien à votre alimentation, qui jouera un rôle capital dans le maintien de votre bonne condition physique. Il conviendrait, sinon de vous mettre au régime, du moins d'éviter toute forme d'excès. Pensez également à manger de tout au lieu de vous rabattre toujours sur certains plats préférés ou connus. Travail. Cette fois-ci, tenez-vous prêt à vivre avec intensité et rapidité les situations qui s'offriront à vous. Au travail, les critiques et la jalousie pourront titiller votre amour-propre. N'en faites pas grand cas, agissez avec audace mais aussi avec circonspection, et une amélioration s'en suivra. Famille. Attention. Il faudra tenir compte du risque de vous trouver attiré irrésistiblement par un courant politique, par une idéologie ou par une secte, qui répondra à l'idéalisme et aux besoins d'élargissement du moment, mais qui s'avérera en fin de compte une fuite en avant ou une aliénation.
Horoscope cochon. Amour. Incité par la planète Fionkak, vous serez mieux disposé à faire des concessions, et l'ambiance de votre vie de couple sera nettement plus détendue et plus chaleureuse. La sensualité sera aussi de la partie, ce qui vous permettra d'avoir avec votre conjoint ou partenaire un accès direct au 7e ciel. Célibataire, cette configuration astrale peut provoquer quelques remous dans vos relations amoureuses. De la passion, certes, mais aussi, pour certains d'entre vous, des choix difficiles à faire. Argent. Évitez d'engager des dépenses inhabituelles si vous n'avez pas de recettes supplémentaires en vue. Les astres verront d'un très mauvais œil tout achat impulsif qui ne soit pas pleinement justifié. Santé. Aucun astre ne vous cherchera noise cette fois. De plus, l'astro Athine, le maître de l'énergie, sera bien aspecté. Le résultat, c'est que vous disposerez d'une excellente vitalité, de bonne résistance immunitaire et, ce qui ne gâche rien, d'un moral de vainqueur. Que demander de plus ? Travail. Libérez-vous le plus rapidement possible de certaines obligations contraignantes. Vous aurez ensuite les coups des franches. Et alors croyez bien que cela ne passera pas inaperçu. En avant. Famille. La présence de l'astre Kim Duong dans votre ciel vous permettra de développer vos talents de diplomate et de les exploiter à fond. Ainsi, vous parviendrez à vos fins sans avoir à consentir de gros sacrifices.